Alors, on est des pages 33 dans la brochure Ilchot Birkat Hodah Halacha, sur la Torah 31. C'est le passage tête. Donc, page 33 dans la brochure, première colonne en bas. Alors, hier, on avait repris un petit peu pour savoir quel était le lien de la Tshuva, comment les Tzadikim, qui étaient eux branchés sur Hachem, c'est-à-dire qu'ils avaient le principe de Tikkun Abrit, comment c'était eux qui, chez eux, qu'on pouvait trouver la solution, comment arriver à se connecter avec HaKadosh Baruch Hu, comment créer un lien avec Hachem, bien qu'on ait individuellement et personnellement des problèmes dans l'Alliance. Donc eux, c'est eux qui vont nous permettre de pouvoir profiter d'un lien avec Hachem, bien qu'individuellement, normalement, on ne serait pas apte à pouvoir prétendre à ce lien-là, puisque nos actions, elles ont entraîné une déconnexion de Kadosh Baruch Hu, puisque quand on a fauté, toutes les fautes, elles proviennent assez d'un problème d'alliance, puisque chaque faute, c'est une révolte contre Hachem. Cette révolte-là, elle fait que l'alliance, elle s'abîme petit à petit, et normalement, on n'aurait pas dû pouvoir continuer. Mais bon, Hachem, que je beaucoup, il a donné les tzadikim, que c'est les tzadikim là, grâce à eux, on peut utiliser leur niveau d'alliance pour pouvoir se connecter avec Hachem. Donc ça, on l'a vu hier, c'est le principe, c'est ce que Hachem, beaucoup, il a voulu montrer à Korach, que quand il a dit que tout le peuple juif, c'est tous des tzadikim, donc maintenant, le peuple juif, la caméra, c'est... Tout le peuple juif, c'est des tzadikim. Donc maintenant, eux aussi peuvent être connectés à Hachem. Maintenant, théoriquement, c'est vrai, mais maintenant, pratiquement, si quelqu'un il a fauté, donc ça veut dire qu'il ne pourrait plus être connecté à Hachem. Si maintenant on dit tout le peuple juif, c'est des tzadikim, donc tous ils peuvent se connecter à Hachem, théoriquement c'est vrai, mais... Remets comme c'était. Théoriquement, c'est-à-dire tout le Ham Israël, c'est des tzadikim, et maintenant pratiquement, quand quelqu'un il va fauter, donc il va perdre sa connexion. C'est pour ça qu'Hachem l'a dit, regarde, prends tous les bâtons de tous les tribus, de toutes les tribus, et il n'y a que le bâton d'Aaron qui a fait sortir, qui a fait pousser des bourgeons, des amandes. Un bâton qui était mort, il a fait pousser des amandes. Donc Hachem Baruch Hu a montré par là que les tzadikim, c'est pas que de la connaissance. Les tzadikim, c'est pas un lien de connaissance. Les tzadikim, eux, ils sont connectés à Hachem et ils ont une possibilité de faire profiter le Ham Israël de cette connexion-là. Et c'est ça qu'on va chercher chez les tzadikim. C'est pour ça que hier on a vu ce passage-là, que Rabbi Nathan dit que tout celui qui veut la chous al chayav, celui qui veut avoir pitié de sa vie, c'est-à-dire qui s'en fait pour sa vie, ça va être le kasher et atzmo la tzadiké emet ki imam mekor chayim. Il doit s'attacher aux tzadikim véritables, parce que c'est avec eux qu'il y a la source de vie. La source de vie, elle se trouve chez les tzadikim. Parce que les tzadikim, c'est eux qui amènent la vie dans le monde, puisque c'est eux qui sont connectés. Donc hier, on a développé ça, j'ai expliqué un petit peu tous les liens de ce fléau qu'il y a dans le monde, du terrorisme, etc. Des gens qui présentent la mort, qui disent on aime la mort, etc. Parce que Amalek, son principe Amalek, c'est de faire passer ce sentiment de mort dans le monde, qui est la sensation de quelqu'un qui est complètement abandonné par HaKadosh Baruch Hu. Alors il a l'impression d'être mort, alors que Bemet HaKadosh Baruch Hu, il est toujours là, et lui, il est toujours connecté avec tout le monde. C'est aux gens de réaliser qu'eux aussi peuvent se connecter. Et ça, on le fait à travers le tzaddik. Ou bechol dor vador oskim letaken chet adam arishon. Maintenant, dans chaque génération, les tzaddikim, les tout le Ham Israël, ils s'occupent de réparer la faute d'Adam arishon.
La faute d'Adam Harishon, c'est toujours la séparation entre la connaissance et le vécu, la connaissance et le comportement. Donc c'est ça qui a entraîné la mort dans le monde. S'il y avait eu une connaissance qui soit entièrement connectée au comportement, la mort n'aurait pas existé. La mort a commencé à exister lorsqu'il y a eu une séparation entre le connu et le vécu. Donc ça entraînait la mort, et c'est ce qui entraîne aussi la mort aujourd'hui, et c'est ce qui entraîne tous les sentiments de mort ou de dépression, de maladie ou de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. C'est uniquement cette séparation-là qu'il y a entre le connu et le vécu. Donc maintenant, chaque génération, on essaye de réparer le chet d'Adam Harishon. À l'idée de tzadikim amitim v'amekuravim aleim. Maintenant, qui est-ce qui répare la faute d'Adam Harishon? Ce sont les tzadikim véritables et les gens qui sont proches des tzadikim. Les gens qui se sont rapprochés des tzadikim, eux aussi, ils réparent les fautes d'Adam Harishon. Chaliedeze nichlal lamdan v'tzadik. Parce que quand on est proche du tzadik, que le tzadik, lui, il a tikkun abri, c'est-à-dire il a réparé l'alliance, alors à ce moment-là, il y a lamdan et tzadik qui s'incluent l'un dans l'autre. Lamdan, ses connaissances, tzadik, ses comportements. Donc il faut que comportement et connaissance ne fassent qu'un. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre la connaissance et le comportement. Et au moins le minimum de ce qui permet d'inclure la connaissance dans le comportement, c'est quand il y a eu prière après le comportement, après la connaissance, pardon, pour pouvoir essayer de viser un comportement. C'est-à-dire lorsqu'on a appris que quand Kadosh Baruch Hu me dit voilà, il faut que tu sois joyeux et que j'arrive pas à être joyeux, alors au moins je prie pour ça. Quand je demande à Kadosh Baruch Hu, il me dit voilà, Hachem, je sais que tu attends de moi que je sois joyeux. Malheureusement, j'arrive pas à être joyeux, mais je voudrais tellement l'être. Alors aide-moi à être joyeux. Alors quand je fais ça, j'inclus la connaissance dans le comportement. Parce que j'annonce que le but de la connaissance, ça n'est que l'application. Je ne suis pas intéressé à savoir des choses pour les savoir. Je suis intéressé à savoir des choses pour savoir qu'est-ce que Hachem il attend de moi. Et je veux avancer vers l'application. Maintenant, c'est difficile pour moi, j'y arrive pas. Alors je demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Le fait que je prie, je connecte l'amdan et tzadik. C'est-à-dire que je fais un rapport entre la connaissance et l'application. Nekudot veotiot, entre les voyelles et les lettres. La lettre, c'est le côté connaissance, et les voyelles, c'est le côté des nekudot, c'est-à-dire des voyelles. C'est pour ça que dans le monde, on appelle les lettres, quelqu'un qui est en faculté de lettres, ou quelqu'un qui va apprendre les lettres. Pourquoi on parle de lettres? Parce que des lettres, dans le monde, ce qu'on apprend, c'est que des lettres. Mais ce sont des lettres qui sont mortes. Elles n'ont pas du tout de vie en elles. Puisque ce sont des lettres qui n'ont pas une orientation dans un comportement. Ce sont des lettres mortes, c'est-à-dire qui ne visent pas le comportement. C'est juste de la connaissance. Mais nous, les lettres qui n'ont pas de voyelles, elles ne sont pas lisibles. Si vous ne mettez pas des points dans le Sefer Torah, vous ne pouvez pas lire. Si vous ne mettez pas automatiquement les points en lisant, vous ne pouvez pas lire les lettres hébraïques sans mettre des voyelles. Tandis que dans les autres langues, toutes les lettres, ce sont des lettres et en même temps ce sont des voyelles. Il n'y a pas une séparation entre les deux. Chez nous, les voyelles c'est une chose, les lettres c'est une autre chose. Les lettres sans voyelles, c'est des lettres qui sont mortes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de possibilité ni d'être prononcées, ni d'être assemblées, ni de former ni des mots, ni des phrases, rien du tout. Alors on a besoin de mettre des nekudot. Ces nekudot-là, c'est le vécu. Le vécu, c'est ça qui va donner l'aspect des lettres, c'est-à-dire l'assemblement, le sens, etc. Tout va venir du vécu. Donc le principal, c'est le vécu. Les lettres elles-mêmes, c'est la connaissance. Et les points, la ponctuation, c'est le vécu. Torah ou Masim Tovim. Alors, quand on parle de Torah, de connaissance au niveau de la Torah, ou Masim Tovim et des bonnes actions, c'est-à-dire de mettre toujours en rapport l'appris, ce qui a été appris et ce qui a été vécu. Parce que si on commence à apprendre des choses
on ne s'occupe plus du vécu, alors on est en danger, c'est-à-dire que la Torah, ça devient comme une science quelconque. Et la Torah, ce n'est pas une science. C'est quelqu'un, il apprend la Torah sans vouloir l'appliquer. Ce n'est pas du tout comme une science. Quelqu'un, il peut apprendre une science sans être du tout intéressé par l'application. Mais dans la Torah, on ne peut pas apprendre la Torah sans viser l'application, sinon cette Torah, elle détruit la personne. Si quelqu'un, il apprend la Torah sans chercher à la vivre, alors cette Torah, elle le détruit. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas apte à pratiquer certaines choses, on ne le laissera pas non plus apprendre ces choses-là. Parce que d'apprendre en sachant que de toute façon, on est dans l'impossibilité de le pratiquer, alors ça, ce n'est pas possible. Parce que la Torah, elle vit toujours un vécu. Même les halakhot qui sont les halakhot du Beit HaMikdash, elles sont toujours liées au vécu. Bien qu'aujourd'hui, il n'y ait pas le Beit HaMikdash, mais le Beit HaMikdash, il peut revenir d'une seconde à l'autre. Donc, il est présent. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la réalité. C'est quelque chose qui est une réalité dans le judaïsme. Donc, maintenant, quand on étudie même des halakhot du Beit HaMikdash, comme il y a une yeshiva à Yerushalayim à Teret Kohanim, où ils apprennent, c'est les Kohanim qui apprennent tout le temps comment faire les korbanot au Beit HaMikdash, etc. Mais c'est de la réalité, puisqu'il peut être construit d'une seconde à l'autre. Tandis que celui qui aurait qui apprendrait de la Torah pour de la science, c'est-à-dire pour de la connaissance, alors cette Torah, elle va le détruire, parce que la Torah, elle n'est pas gratuite. La Torah, elle a en elle le germe de l'application. Si quelqu'un ne vise pas l'application, c'est inutile pour lui d'apprendre la Torah, ça ne lui servira à rien. Ce n'est pas que ça ne lui servira à rien, il ne va pas sortir neutre, il va sortir détruit. Parce qu'il n'y a pas de connaissance sans application dans la Torah, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a dit, quand on a reçu la Torah, on a assez bénichma. D'abord on va faire, et après on va essayer de comprendre. Parce qu'on ne veut surtout pas faire la faute d'Adam Harishon qui a fait nishma venaasé. Adam Harishon, il a dit, bon, d'abord on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'on aura compris, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Et la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est d'abord, je me lance dans l'application. Une fois que j'ai commencé à appliquer, alors je vais aller chercher de la connaissance pour développer mon application, pour la raffiner, pour l'enrichir, etc. Mais toujours, toute connaissance n'est approchée que dans le but d'appliquer. Sinon, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, dans la Torah, on ne peut pas se permettre d'aller vers la connaissance si on n'est pas intéressé par l'application. Il faut d'abord vérifier quel est notre niveau d'engagement. Quelqu'un rentre dans un magasin, d'abord il doit savoir quels sont ses moyens de paiement. Est-ce que les moyens de paiement dans ce magasin sont acceptés? C'est ce que s'il veut payer avec une carte de crédit, est-ce qu'ils acceptent les cartes de crédit? Sinon, ce n'est pas à peine qu'il tourne dans le magasin pendant des heures, parce que ça ne sert à rien, il ne peut rien acheter. Alors, d'abord, il vérifie les moyens de paiement, il vérifie les prix, est-ce que lui, il est capable de payer ça. Une fois qu'il a fait ça, alors, à ce moment-là, il peut commencer à discuter, rentrer dans des choix, etc. Dans la Torah, c'est quelqu'un, d'abord, il doit vérifier son niveau d'application, c'est-à-dire jusqu'où il veut s'engager. Quel est son niveau d'engagement à la base? Qu'est-ce qu'il est d'accord de prendre quoi? Qu'est-ce qu'il veut comme engagement? Quel est le niveau de judaïsme? Et par rapport à soi, il doit commencer à faire une recherche de connaissances. Mais il ne faut surtout pas qu'il se lance dans des connaissances qui vont dépasser son application, parce que là, ça va le déconnecter complètement d'Hachem. Puisque toute connaissance sans application, elle isole d'Hachem. Comme Adam Harishon, quand il a mangé l'arbre de la connaissance bien ou mal, il s'est éloigné d'Hachem, puisqu'Hachem lui a dit « Où est-ce que tu es ?» Tu es parti. Avant, on était ensemble, tu parlais avec moi, maintenant tu ne parles plus parce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la connaissance pure, elle entraîne la déconnexion d'Hachem et la déconnexion de la vie. Plus quelqu'un il va être un philosophe, plus il va s'éloigner de la vie. C'est pour ça que les goyim disent « philosopher, c'est apprendre à mourir ». C'est ce qu'ils disent les goyim. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Parce que quelqu'un qui philosophe, les masses, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il comprend plus, il se déconnecte de la vie. Après, il ne peut plus jouer. Dites à un philosophe d'aller faire du vélo, par exemple. Et il ne peut pas faire du vélo. C'est trop bête pour lui. C'est pas ça, ça. Et il ne peut pas faire quelque chose comme ça. Dites-lui d'aller faire un pique-nique. Et il ne peut pas. C'est des choses qui sont. Il ne peut pas avoir accès à des choses simples. Parce que ça y est, le fait qu'il sait des choses,
ça l'a déconnecté des choses simples de la vie. Et comme ça, une chose après l'autre, une chose après l'autre, jusqu'à qu'il se déconnecte de tout. Et les Marseillais, après, la seule chose qu'il réalise, c'est la mort, c'est la seule chose qui lui reste. Et après, il n'y a que ça dans sa vie. C'est pour ça que même, ils disent, vous prenez tous les grands, les Kafka et tous ces gens-là, vous verrez que c'est des gens qui ont été vers la mort. Parce que la connaissance, c'est extrêmement dangereux. La connaissance qui n'est pas liée au vécu, c'est une chose extrêmement dangereuse. Mais les gens, dans le monde, on n'enseigne pas ça. Parce que comme il y a peu de gens qui arrivent à des niveaux de connaissance dans lesquels on peut prétendre à un danger quelconque, alors bon, c'est quelque chose, on n'en tient pas tellement, enfin on n'en fait pas cas dans le monde. Mais la connaissance sans l'application, c'est extrêmement dangereux. Et dans la Torah, encore plus que partout. Si quelqu'un il veut apprendre comment ça fonctionne l'alpinisme, si quelqu'un il veut apprendre l'alpinisme sans jamais en faire, à la limite il peut apprendre de l'alpinisme sans jamais en faire. Mais dans la Torah, on ne peut pas apprendre l'alpinisme si on n'en fait pas, parce que ça devient dangereux. C'est une connaissance qui devient dangereuse. Hagouf be'anefesh shezeu b'chinat chayim kanal. Alors maintenant, chez kolzeu b'chinat klaliut hagouf be'anefesh. Donc maintenant, tout ça, c'est le principe de l'inclusion du corps et de l'âme. C'est-à-dire le corps et l'âme s'incluent l'un dans l'autre. Le corps, c'est la connaissance et l'âme, c'est le vécu. Les gens, ils croient que la connaissance, c'est l'âme. Mais ce n'est pas vrai. La connaissance, c'est le corps. Et le vécu, c'est l'âme. Donc maintenant, quand on a des connaissances, ça veut dire on a le corps de la chose. Quand on a l'application, on a la vie de la chose, on a l'âme de la chose. Donc l'âme, c'est les voyelles, c'est la ponctuation. Et le corps, c'est le corps de la lettre et c'est le corps de l'homme. Donc maintenant, dans le corps de l'homme, c'est le même principe. C'est-à-dire que le corps de l'homme, il reçoit sa vitalité de l'âme. Sinon, le corps sans âme, il est rien du tout. Une âme, l'âme, elle n'a pas besoin du corps pour vivre. L'âme, elle a besoin du corps pour faire des choses dans ce monde. Mais elle n'a pas besoin du corps pour exister. L'âme, elle a existé avant le corps, elle va exister après le corps. Maintenant, la période qu'elle passe associée avec le corps, c'est une période où tous les deux, ils vont faire des bénéfices dans ce monde, c'est-à-dire arriver à se connecter à Hachem à travers la matière, que ça c'est un exploit extraordinaire, et c'est le chidouche qu'Hachem il a fait dans ce monde, de pouvoir mettre des âmes dans des corps et qu'ils puissent se connecter à l'infini à travers la matière. Maintenant l'âme, tant qu'elle est liée avec le corps, alors le corps il vit. Du moment où l'âme le quitte, le corps il est mort, il n'a plus de vie. Maintenant, qu'est-ce qui va tenir l'âme dans le corps? Principalement, c'est la nourriture. C'est pour ça que la faute d'Adam Arishon, c'était une faute dans de la nourriture. C'est-à-dire qu'il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans la nourriture, il va y avoir toute la connexion qui va se faire, la qualité de la connexion, elle va se faire dans la nourriture. C'est le passage, si vous voulez, du spirituel au matériel, ce qui permet de maintenir la vie, de maintenir le corps et l'âme ensemble. Alors il dit ici que donc c'est la Torah et les massim pour vivre, c'est la connaissance de la Torah et l'application. Chez Kolzeu Prinat Klaliot Aguf Be'anefesh, tout ça c'est quand le principe que le corps il s'inclut dans l'âme, chez Uprinat Chaim, ça s'appelle la vie. Quand le corps et l'âme sont liés, ça s'appelle la vie. Là où j'ai trouvé une âme dans un corps, alors j'ai trouvé la vie. Toute situation dans laquelle j'ai trouvé une âme, alors cette situation s'appelle vivante. Si j'ai trouvé une situation dans laquelle il n'y a pas d'âme, ça veut dire que cette situation elle est morte, elle n'est pas vivante. Donc il faut que toutes les situations, tout ce qui va se présenter à moi dans ma vie, ça soit des sources de vie. C'est-à-dire que là où je vais, je puisse me connecter à Hachem à travers la situation que je vis. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mes déplacements, que ce soit dans mes repas, que ce soit dans mon sommeil. Là où je suis, il faut que j'ai une possibilité de connexion avec Hachem. C'est ça qui définit le principe de la vie. C'est ce qui veut dire la vie. Avar afal piken, machmat shekunze, yefshar legamro bepam echad, velo bedor echad. Et comme cette réparation,
Ce n'est pas une réparation qu'on peut faire en une seule fois et dans une seule génération. Alken gzerat amita bimkoma ubrechiach shebasof yamut haadam. C'est pour ça que la gzera, c'est-à-dire le fait que Hachem il a décrété la mort à Adam Arishon, il lui a dit, du jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Alors la mort, elle est toujours là. Et pour l'instant, l'homme, il doit passer par la mort. Qui a l'idée godel akilkul shelchet Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, sa faute, elle était tellement importante. Yefchar levarer azuama ki malide peredat anefesh me'aguf. On ne peut faire un tri, c'est-à-dire on peut faire un nettoyage au niveau de l'emprise du mensonge, de la touma, de tout ce qui est négatif, que par la séparation de l'âme et du corps. C'est-à-dire on va être obligé de traiter le corps à part et de traiter l'âme à part. On ne pourra pas les traiter ensemble, c'est-à-dire on ne pourra pas les nettoyer parfaitement tant qu'ils sont ensemble. Aval behemet ata mita hitova gdola, mais behemet de nos jours, c'est-à-dire que maintenant c'est une grande tova la mort. La mort c'est quelque chose de bien. Kakash Baruch Hu il a donné la possibilité à l'homme de se réparer par la mort. Comme c'est écrit dans Bereshit, Kakash Baruch Hu a dit voilà quelque chose de très bien. Qu'est-ce que c'est très bien? C'est la mort. Comme ils ont dit les Chachamim dans le Midrash Bereshit. Qui ata achar achet yefshar afilu la tzadikim gdolim la shuv limkor achayim bechlemut. Parce que maintenant, après la faute d'Adam Arishon, même les grands tzadikim, ils ont besoin de mourir. C'est pas que des gens simples, même les grands tzadikim, ils peuvent pas arriver à une perfection s'ils passent pas par la mort. Qui mal yede predat anefesh me'aguf, sheaz yashuv afar laaretz, kishaya ruach tashuv el elokim asher etana. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la mort, le corps, il va retourner dans la terre comme il était avant. Et le souffle, l'âme, elle va retourner vers Hachem qui l'a donné. C'est-à-dire chacun va retourner dans son origine. Ve'as titbale zoamat aguf be'afar. Et à ce moment-là, quand le corps, il va être dans la terre, il va être purifié, il va être nettoyé par la terre. Hachibet atriyar zéro itrabro anefesh ve'aguf. À Mezoukar, jusqu'à qu'au moment de la résurrection des morts, alors ils vont se retrouver, le corps, il aura été complètement nettoyé par son passage dans la terre, et l'âme aussi, si elle avait contracté des problèmes dans ce monde, elle va se purifier dans les mondes supérieurs, et ensuite, à la résurrection des morts, ils vont se retrouver pour une vie éternelle. V'yamdo betriya v'yichu chayim abitiyim. Et à ce moment-là, ils vont se lever à la résurrection des morts et ils vont vivre une vie qui est véritable. Shem Chaim Nitzchiim, qui s'appelle la vie éternelle. Kol echad kefi ma'asav atovim shezacha lesagel baze olam. Chacun, selon ses bonnes actions, qu'il aura eu le mérite de pouvoir s'approprier dans ce monde. C'est-à-dire que le niveau de conscience de l'infini qui va être donné à chacun au moment de la résurrection des morts, ce sera le niveau de conscience qu'il aura atteint de son vécu auparavant. C'est-à-dire quand il aura vécu dans ce monde et qu'il aura fait des mitzvot, qu'il aura cherché le chemin d'Hachem, la connexion avec Hachem, alors le niveau de connexion auquel il sera arrivé de son vivant maintenant, c'est le niveau de connexion auquel il va arriver après la résurrection des morts. Mais il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus d'emprise du mensonge. Mais seulement, ça sera, c'est-à-dire le niveau de conscience, il sera figé. Puisque maintenant, tout ce qui était possible de faire en développement de la connaissance d'Hachem, c'est maintenant. C'est-à-dire la conscience d'Hachem, c'est maintenant qu'on peut l'acquérir. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire un effort, qu'on va essayer d'appliquer mieux la Torah, alors on va découvrir une conscience d'Hachem plus grande. Et cette conscience-là, elle nous sera remise qu'entre l'âme et le corps, tous les deux purifiés, se retrouveront ensemble pour l'éternité. Selon ses actions de ce vécu maintenant, c'est ça qui donnera part à ce moment-là. Pour ça que même des goyim qui ont fait du chesed au Am Israël, des goyim qui ont sauvé par exemple des juifs pendant la Shoah, ou des choses comme ça, alors eux aussi, ils auront droit
à cette vie éternelle, mais avec une conscience qui sera en rapport avec la conscience qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Pas quand ils étaient, c'est-à-dire dans le corps comme il est maintenant, pas le corps d'après la résurrection des morts. Parce qu'à ce moment-là, à la résurrection des morts, c'est déjà quelque chose qui est fini. C'est-à-dire que ce n'est plus une évolution comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de possibilité de recherche et de progrès, puisqu'il n'y a pas, il n'y aura plus de principe d'épreuve, de choix. Le choix ne sera plus possible, il n'y aura plus de choix. Donc maintenant qu'on peut choisir, alors on peut progresser et développer et acquérir des niveaux extraordinaires parce qu'on fait des choix sans arrêt. Chaque fois qu'on veut manger, alors on décide de faire la bracha. Chaque fois qu'on décide de ne pas mentir, de ne pas voler, de faire, etc. Chacun, c'est ce qui fait de bien, ce qu'il arrive à faire de bien, ce qu'il arrive à éviter comme mal, c'est ça qui va le faire grandir dans sa conscience. Maintenant, quand il va mourir, il va arriver au niveau de conscience où il est arrivé. Et ensuite, à la résurrection de mort, il va y avoir le retrouvaille entre un corps purifié et une âme purifiée pour une vie éternelle. Et à ce moment-là, ça y est, il n'y a plus de possibilité de choix. C'est la conscience selon le développement qu'elle a eu dans les vies antérieures. Maintenant, il y a des gens qui ont des vies qui viennent plusieurs fois, qui vont se réincarner plusieurs fois dans ce monde, pour à chaque fois essayer de réparer plus. Mais Rabbi Nachman, il a déconseillé d'accepter la réincarnation. Il a dit que si on se trouve dans le monde futur, alors il faut refuser la réincarnation, parce qu'en général, surtout dans nos générations, on a plus de chances de laisser des plumes que de gagner quelque chose. Donc il a dit aussi que celui qui vient au Man et qui fait le Tikkun HaKlali, il n'y a pas de réincarnation pour lui, c'est terminé. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il s'occupe de lui, il va arriver là au maximum de ce à quoi il pourrait arriver dans ce monde. Il n'aura pas besoin de réincarnation. כפיד קרבותו והתחברותו לצדיקים וירים אמיתיים שהידי זה עסק לחבר הנפש והגוף. Alors maintenant aussi Rabbi Nathan dit que selon les bonnes actions qu'il a eues dans ce monde, mais selon aussi combien se rapprocher des tzadikim et des gens qui craignent Hashem Be'emet. Ça aussi s'appelle le lien entre le corps et l'âme, parce que quand quelqu'un il se rapproche de tzadikim, quand quelqu'un il se rapproche de gens qui sont des gens qui craignent Hachem. Alors lui, par rapport à eux, c'est un corps. Lui, c'est un corps et eux, c'est une âme. Puisqu'eux, ils sont plus avancés dans la recherche d'Hachem, puisque c'est des tzadikim ou des gens qui craignent Hachem, des gens avancés. Alors quand nous, on cherche à se connecter à des gens qui sont avancés, c'est comme si c'est un corps qui cherche à se mettre en rapport avec son âme, qui cherche à se connecter avec l'âme. Et ça aussi, ça lui sera compté comme une recherche de conscience d'Hachem plus grand. Parce que pourquoi il se met à fréquenter des gens qui sont plus engagés avec Hachem ? Parce qu'il cherche plus d'engagement. Maintenant, lui, il est conscient que là où il se trouve, c'est difficile pour lui d'arriver au niveau d'engagement où sont ces gens-là. Alors lui, il va passer par eux, c'est-à-dire qu'il va venir, il va les fréquenter, il va essayer d'étudier un peu avec eux, essayer de prier avec eux, essayer de les voir de temps en temps, etc. Et cette fréquentation-là, c'est bien la fréquentation du corps et de l'âme, puisque eux, ils représentent l'âme par rapport à lui, ils lui représentent un corps par rapport aux endroits où il se trouve, qui sont des endroits éloignés, ou une conscience éloignée d'Hachem. Donc le rapprochement des tzadikim, ou des gens qui sont des yireim, c'est-à-dire des gens qui craignent Hachem, ça aussi c'est considéré comme un rapprochement du corps et de l'âme, et ça sera aussi valorisé au moment de la résurrection des morts. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pourra valoriser, c'est une valeur véritable. De la même manière que quelqu'un, il fait des mitzvot et il essaye de ne pas faire des averot, il essaye de faire toutes les mitzvot qu'il peut faire, la même chose, le fait de se rapprocher de tzadikim, ça aussi c'est considéré comme une recherche de l'infini, c'est même ce qui est le considéré le plus, parce que celui qui est proche des tzadikim, il est sauvé, même quand on peut dire entre guillemets, malgré lui. C'est-à-dire que malgré lui, même si lui, il a un niveau de comportement qui est vraiment du laisser-aller, c'est-à-dire il n'arrive pas, c'est-à-dire au niveau comportement, il n'arrive pas à changer, mais le fait qu'il essaie de se rapprocher de gens qui sont engagés, ça même, ça lui est considéré comme une application. Parce que quand la personne, quand on
comme on dit en français, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais pourquoi quelqu'un peut fréquenter des gens et lui peut être différent de ces gens-là. Il y a des gens qui fréquentent des gens et eux, ils ne sont pas comme eux, c'est-à-dire dans leur comportement. Mais ça n'a pas d'importance, parce que du moment où la personne elle s'est mise à fréquenter des tzadikim, ça veut dire que c'est ça qu'il veut. C'est ça qui est considéré comme... C'est une application pour lui, la fréquentation des tzadikim. C'est de l'action. C'est pas considéré que de la connaissance. C'est considéré comme de l'action. Le fait qu'il s'engage, qu'il va prier dans un endroit où il y a des gens qui sont des gens qui craignent Hachem, le fait qu'il s'attache aux tzadikim, le fait qu'il prononce toujours le nom des tzadikim, qu'il se parle au mérite des tzadikim, etc. Ça, c'est de l'application. C'est pas de la connaissance. C'est considéré comme de l'application. Donc, ça sera un faire-valoir pour lui au moment où il en aura besoin, c'est-à-dire surtout à la résurrection des morts, au moment où il aura besoin de recevoir sa conscience d'Hachem. Alors ça lui sera compté comme la conscience d'Hachem. Parce qu'il dit, voilà, pourquoi moi j'ai fréquenté ces gens-là? Parce que je savais très bien que moi j'arrivais pas, puisque je connaissais mes actions, je voyais mon niveau, je voyais très bien que moi j'arrivais pas. Donc je me suis mis à fréquenter des gens qui étaient plus avancés que moi. Donc ça veut dire que je cherchais plus, je me suis engagé à fréquenter des gens qui étaient plus avancés. Donc ça même c'est une preuve de mon engagement, c'est de l'engagement, c'est pas de la connaissance, c'est pas des visites de courtoisie, c'est des visites de connexion, d'engagement. Donc c'est un faire-valoir pour lui qui pourra présenter au moment où ça va lui être compté comme ça. Ça va lui être compté comme ses actions à lui, le fait qu'il s'est mis à fréquenter des tzadikim. Alors ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, c'est extraordinaire, parce que autant quelqu'un, il peut avoir des difficultés de communication entre son corps et son âme, ou difficultés de communication entre lui et sa femme, par exemple, puisque sa femme s'est considérée comme son corps, c'est-à-dire que l'homme par rapport à la femme, il représente l'âme par rapport au corps. Maintenant, l'homme, entre son âme et son corps, il peut avoir des problèmes. Entre lui et sa femme, il peut avoir des problèmes. Mais il peut réparer tout ça par le fait qu'il va se rapprocher de gens qui sont plus avancés. Parce que quand il se rapproche de gens plus avancés, ça même, c'est un mouvement du corps vers l'âme. Donc ça va réparer toutes les autres choses. Toutes les autres choses qui ne marchent pas à son niveau, qu'il n'arrive pas tout seul à s'en sortir, là, il peut s'en sortir par une solution qui est beaucoup plus élevée. Pour ça que vous voyez, par exemple, Yeshua Ben Nun, lui, il a été sauvé. Yeshua Ben Nun a été sauvé des Meraglim, des explorateurs. Pourtant, Yeshua Ben Nun, il n'était pas plus avancé qu'eux. Au niveau individuel, il était même moins avancé que tous les explorateurs. Yeshua, il était beaucoup moins avancé, mais seulement, il était proche de Moshe Rabbeinu. Comme il était proche de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il a prié pour lui. Et il a été sauvé, il n'est pas tombé dans le panneau de Meraglim. Mais sinon, il serait tombé dans le panneau. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne au monde, à part Moshe Rabbeinu, qui pouvait résister à la faute des explorateurs. Personne. Caleb ben Yefouné, il a senti, il a été tout de suite à Hebron, chez les Avot, il a été prié là-bas. Il leur a dit, sauvez-moi, parce que là, je vais tomber dans le panneau, je ne peux pas. C'est quelque chose, j'arrive pas. J'arrive pas, je peux pas, il n'y a personne. Et eux, les autres, ils n'ont pas pris conscience du danger et ils sont tombés, tous les explorateurs. Mais Caleb ben Yefouné, il a été demandé de l'aide à Hebron. Et Yeshua ben Nun, il n'a pas demandé de l'aide, il était inclus dans la maison de Moshe. Donc il faisait partie des meubles de Moshe Rabbeinu. Il était dedans, il faisait partie des gens de la maison. Donc il a été sauvé grâce à son rapprochement à Moshe Rabbeinu. Bien que lui, individuellement, il n'était pas du tout au niveau de pouvoir surmonter une épreuve pareille. Par son approchement à Moshe Rabbeinu, c'est ça qui lui a permis de surmonter l'épreuve. Donc maintenant, ça c'est valable pour chacun, dans tous les temps, dans toutes les épreuves qu'il a. Le rapprochement au tzaddik, ça permet de surmonter toutes les épreuves de la vie. Et si maintenant quelqu'un il est proche du tzaddik et il voit qu'il a des épreuves, il n'est pas arrivé à les surmonter, ça veut dire que pour l'instant c'est comme ça qu'on veut, et il est en train de faire son apprentissage, et viendra le moment où il sortira de tout ça. Mais le rapprochement du tzaddik, c'est le plus grand niveau d'engagement dans le judaïsme qui existe. C'est ce qui rapporte le plus. Si quelqu'un il veut chercher, c'est comme si quelqu'un vient, il a une somme d'argent, il vient voir un conseiller pour investir, il dit voilà, je voudrais que vous me proposiez l'action qui rapporte le plus. Alors il faut lui dire voilà, ce qui rapporte le plus, c'est vous de rapprocher du tzaddik. Ça c'est ce qui rapporte le plus. Il n'y a pas une mitzvah qui rapporte plus que ça.
C'est ce qui rapporte le plus dans le monde. C'est le choix le plus intéressant à faire. Si on veut regarder le rapport d'investissement, c'est le choix le plus grand, le meilleur qui est. Et ça demande pas beaucoup de fatigue, et le rapport, il est énorme par rapport à l'engagement. L'engagement, il n'est pas très grand, ce que ça demande comme fatigue d'engagement, c'est pas très grand par rapport à ce que ça peut rapporter. Mais ça rapporte, Baruch HaShem, énormément. Tous les gens qui sont engagés, ils ont vu qu'ils sont arrivés à des choses que par eux-mêmes, jamais ils auraient pu même pas rêver de commencer à vivre ces choses-là. Aval yefshar le'agia le'elu ha'chaim nitzriim kim al yedei amita da'ika. Alors maintenant, alors on a dit qu'il se rapproche des tzadikim, donc ça veut dire rapprocher l'âme et le corps. J'ai des iskel et basof le chibur ze beshlemut shiuchaim nitzriim. Donc après, à la fin, quand il y aura résurrection des morts, il va arriver au lien total, complet entre son âme et son corps. Aval yefshar, maintenant on peut arriver à ça, à cette vie éternelle, que par le fait que le corps il passe par la mort. Pour que maintenant la zouama, c'est-à-dire toute l'impureté de ce monde, elle disparaisse dans la terre. Que tout ça, ça venait de la faute d'Adam Harishon. Qu'il a entraîné tout ça par le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, lui, il ne faut pas qu'il s'en veuille tellement, parce qu'on est tous porteurs du problème d'Adam Harishon. Ne croyez pas que nos problèmes, c'est nos problèmes à nous seulement. On a beaucoup de générations derrière nous qui nous ont transmis des choses bien et des choses moins bien aussi. Donc tous, on est en train de réparer le chet d'Adam Harishon. Donc quand quelqu'un voit qu'il a des difficultés dans n'importe quel domaine, il ne faut pas qu'il soit le porteur de ces difficultés, qu'il se sente responsable. Parce que les Maasé, il est le résultat d'une chaîne de fabrication. C'est pas lui il n'est pas né en W. Les voitures, elles sont en W, mais l'homme, il n'est pas en W. Tout celui qui est venu ici, il est venu déjà beaucoup de fois, il a essayé beaucoup de choses, etc. Il ne faut pas croire qu'on est des gens, on n'est pas des gens neufs. On a des gens, on a une histoire derrière nous. Et Adam Harishon, le premier, nous a transmis, et tous les autres, les problèmes qu'on a. Il y a une grande partie de nos problèmes qui ne sont pas nos problèmes à nous. Ce n'est pas nous qui les avons faits. Maintenant, des fois, on a ajouté là-dessus. Mais la base, ce n'est pas nous qui l'avons faite, parce qu'on n'est pas venu sans problème. Tous les problèmes qu'on a, ce n'est pas nous qui avons été les chercher. On a déjà né avec des problèmes. Des problèmes de comportement, des problèmes mentaux, des problèmes psychiques, toutes sortes de problèmes que la personne, elle naît avec ça. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de réparer à son niveau. Mais il ne faut pas s'accabler de responsabilité parce qu'il n'est pas responsable. Alken be'echar sheye perut benem, c'est pour ça qu'on sera obligé à un moment de faire une séparation entre le corps et l'âme. De'ayin omita, c'est-à-dire la mort. Kodem sheizku le chibur amiti sheuprinat chaim yitzri. Avant qu'il puisse retrouver l'union éternelle, qui est la vie éternelle. Alors, le corps et l'âme, ils vont passer par cette période-là de la mort, dans laquelle chacun va se purifier dans son domaine. Le corps, il va retourner à la terre, et le passage de décomposition dans la terre, ça va lui permettre de se débarrasser de tout ce qu'il a pu emmagasiner dans ce monde, comme connaissance qui n'a pas été traitée en application, parce que c'est ça qui rend impur. Ce qui rend impur, c'est toute connaissance qui n'a pas engendré une application. Et le corps, il est plein de ça, il est plein de connaissances qui n'ont pas été appliquées. Donc ça, ça entraîne de la touma, ça entraîne toutes sortes d'impuretés. Et donc ça va être traité par la terre quand il va retourner à son origine. Et l'âme, si elle s'est impurifiée, elle va remonter dans les mondes supérieurs, il y a des endroits là-bas où elle va se purifier. Une fois que chacun de son côté il se sera purifié, alors l'âme et le corps vont se retrouver ensemble, et à ce moment-là, ils vont retrouver leur concept d'Hachem qu'ils ont eu d'après leur engagement qu'ils ont eu dans ce monde-là, maintenant. Mais il ne faut pas se leurrer dans ce monde. Ce qui rapporte le plus, c'est le rapprochement du tzaddik. Il n'y a pas plus que ça. Toutes les actions que quelqu'un pourra faire dans sa vie, jamais ça arrivera au millième de ce qu'il va recevoir comme conscience d'Hachem par le rapprochement de tzaddiké. Vous pouvez demander tous les gens qui sont rentrés là-dedans et qui ont passé quelques années là-dedans, vous allez voir comment ils ont progressé, mais ce n'est pas un progrès par rapport à ce qu'ils avaient comme élément à la base. C'est quelque chose qui leur a été donné
par des niveaux qui sont très élevés, puisque le tzaddik lui-même, il a le secret de l'alliance. Donc il sait vous donner comment vous lier à Hachem dans toutes les situations. Comment faire qu'on soit lié à Hachem, qu'on ne se perde pas là où on est. Quelqu'un là où il est, dans n'importe quoi, dans ses problèmes, dans son travail, dans sa famille, là où il est, qu'il ne se perde pas, qu'il reste toujours connecté à Hachem. Ça, les tzadikim, ils donnent cette conscience-là, ils donnent cette technique-là, comment arriver tout le temps à ça. Et ça, c'est pour ça que ça rapporte plus que tout. Parce que quand une personne, elle essaye de résoudre son problème elle-même, alors elle-même, elle a déjà le problème. Comment elle va résoudre elle-même le problème? C'est difficile. Même s'ils font des mitzvot, ils font tout, il y a des problèmes qui sont des problèmes de fond dans l'homme, qu'il n'y a que celui qui connaît votre âme et qui connaît qu'est-ce que vous avez reçu comme problème depuis Adam Harishon, que lui, il peut réparer. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, celui qui vient sur ma tombe, alors qui fait Tikkun HaKlali, alors je répare jusqu'à Adam Harishon. C'est pour ça qu'il n'a plus besoin de revenir dans ce monde. Parce que ça y est, il est réparé jusqu'au premier homme. C'est-à-dire, c'est fini. Tout ce qui a été emmagasiné comme erreur depuis la création du monde, c'est réparé. Parce que le tzaddik, il a la force de la connexion, qui est le Tikkun HaBri, c'est-à-dire Tikkun HaKlali, la réparation générale, qui est la réparation de la connexion avec Hachem. Et ça, le Tikkun HaKlali. Tous les gens, ils peuvent être intéressés par la Torah, ils peuvent aller à des cours de Torah, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais la connexion avec Hachem, la réparation du lien avec Hachem, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver si facilement que ça. C'est quelque chose qui est très très difficile. Parce que justement, la galoute, l'exil, il a fait ça, que les gens sont perdus dans des concepts de vie qui sont complètement à côté. Comment vous voulez réparer des concepts de vie avec votre tête elle-même? C'est très difficile, même si vous étudiez la Torah. Comment vous que la Torah, elle va faire que l'homme, il change complètement dans sa tête? Il faut du lien, c'est ça qui va changer quelqu'un. Quand vous liez quelqu'un à autre chose, c'est ça qui va le changer. C'est pas quand vous lui parlez de quelque chose. Vous voyez bien, quand vous proposez quelque chose à quelqu'un, ce que vous essayez de voir, c'est s'il est intéressé, c'est pas s'il a compris. Parce qu'il y a des gens qui ont compris, mais ils sont pas intéressés. Donc ça sert à rien. Ils ont bien compris, mais ils sont pas intéressés. Ce qu'il faut, c'est créer un intérêt. C'est ça qui sauve les gens. C'est quand vous leur donnez l'intérêt de la chose. Et l'intérêt de la chose, c'est quand le lien commence à s'établir. C'est là où il y a un intérêt. C'est-à-dire quand la personne, elle sent un lien avec la chose, alors elle commence à s'intéresser et émettre. Parce que le lien, c'est quelque chose de très très fort. C'est ça le but de la création, comme on l'a vu dans cette Torah, qui rapporte le Navi, qui dit « Im lo beriti yomam v'laila, chokot shamayim v'aretz lo samti ». S'il n'y avait pas l'alliance jour et nuit, j'aurais pas mis tout le fonctionnement du monde, les astres, tout ça, c'est qu'un décor. Le principal de tout ça, ça fonctionne avec l'alliance avec Hachem. Tant qu'il y a alliance avec Hachem, tout fonctionne. Tout marche dans le monde de façon extraordinaire. Mais si maintenant l'alliance ne marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Alors l'homme, dans tout, c'est comme ça. L'homme, il doit sentir un lien. Quand l'homme, il ne sent plus de lien avec la communauté, ou avec la Torah, ou avec sa famille, alors ça, c'est ça, la mort mamache, c'est terrible. Même s'il a des connaissances énormes, les connaissances ne vont pas l'aider du tout à avancer. Même s'il sait énormément de choses. Ce qui va l'aider à avancer, c'est le degré de lien. Ça qui va le faire progresser. Alors demain, Bezrat Hashem, on verra comment on va reprendre le lien de Korach, expliquer Korach par rapport à ce lien entre le corps et l'âme. Bezrat Hashem.